哭了，我们笑着，我们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。Hello everybody, 大家好 ,Bonjour à tous, bonsoir, morning. Comme vous le savez bien, peu importe là où vous trouvez actuellement, je suis mes salutations. Oui, aujourd'hui on est en mood un peu pas dynamique, un peu triste à cause de la situation qui s'est mise aujourd'hui en Chine. Donc comme vous l'avez deviné à travers la miniature, aujourd'hui je vous parle du China coronavirus, comme certains l'appellent, ou Wuhan coronavirus. C'est quoi ce virus? Comment est-elle apparue en Chine? Est-ce de la surmédiation ce qui se passe actuellement en Chine et sur nos réseaux sociaux? Est-ce juste une polémique? Est-ce une réalité? Comment est-ce qu'on le vit? Donc, je vous dis tout dans cette vidéo. Donc, restez câblés du début à la fin et puis à tout à l'heure. Ciao. Bienvenue. Bonjour. Je suis Wu Ge. Bonjour. Je suis Fujian Sivan Da Sui de Suyen. Je veux vous faire une question sur le cas de la maladie.你有没有收到这个消息？有，这个肯定都有。消息有收到。好的，你是怎么收到这个消息的？我们都有自己的微信啊、手机啊，这些都是发都有发通知的。啊，好的，你是什么时候收到这个消息？前两天就有收到了呀，所以我们都要自己有防范了。前两天吗？我以为十二月多有人已经收到这个消息。那个暂时我们目前，反正我们之前是有收到消息。那好的，那你对这个消息有什么意见？这肯定都是需要大家自己的意识防范啊，出门啊，戴口罩啊，自己注意消毒啊之类的嘛。那好的，我们发现你现在在管一个店嘛，就在做生意，这个消息有没有影响到你们的生意？这肯定会有嘛，因为大家现在都是自我防范意识都是蛮强的嘛，都没有出门啊，很少都不出门啊，所以这个多少都会有吧。啊，好的。那现在中国除了中国人，还有很多外国人，有不管是在过来这边学习工作的，你对他们如果有一个建议的话，你会跟他们说什么？肯定是要建议大家能不出门尽量少出门，自己出门的时候口罩啊什么的自己都要戴好。你好，你好，你好 ，Hello， 我叫胡哥，我是福建师范大学的。你好，我叫张凯翔。你好，我叫何花。好的，我今天想采访你们关于那个传染病嘛，你们有没有受到这个从武汉过来的那个传染病？我们暂时都没有受到这个病，就是有听说。你们是怎么收到这个传染病的消息的？是从电视新闻还有微博啊什么的。都是各种软件上面吗？那你们自己对这个消息有什么意见，有什么看法？就是大家都尽量待在家里，保护好自己吧，就不要去轻信那些谣言，不要让自己感到害怕，然后好好保护自己就好了。那你们自己在这边是做生意的还是在干嘛的？我是打暑假工，就放假在这边打工嘛。好的，那这个病毒对现在的商家多的生意有没有影响？那多少还是会有一些影响嘛，就是人肯定会变得慢慢的变少了，大家都不敢出门嘛，然后有的东西比如说没有戴口罩就不能进去，这样就顾客就也会变少嘛。那你自己知道在中国不管是有中国人还有很多外国人，不管是在这边读书工作，如果你向他们有一个建议，你会跟他们说什么？建议就大家都要好好保护自己嘛，然后多关注一些专家说的话，然后不要去听信身边的那些谣言。谢谢你啊。不用谢，不用谢。好的，美女，你对这个病毒有什么看法，有什么意见？就是没事不要出来吧，尽量待在家里，然后就是一切消息以政府以官方的消息为准，不要去转发一些就是不准确的链接。就这样。好的，那你对我们观众的外国人，不管是在这边读书学习什么的，你如果有什么意见，你会跟他们说什么？就是在外地要好好照顾好自己，同时也要出门一定要戴口罩，
然后保护好自己，不要被感染。好的，谢谢美女。啊，不客气。Et voilà, rebonjour à tous. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous parlons du coronavirus, du China coronavirus ou du Wuhan coronavirus, peu importe comment est-ce que vous l'avez reçu, peu importe comment est-ce que vous avez reçu l'information. Donc c'est quoi le China coronavirus qui sévit aujourd'hui en Chine? La première rumeur du coronavirus est apparue en décembre 2019, vers la première quinzaine de décembre 2019. Elle est apparue suite à un marché de vente d'animaux un peu extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, situé à Wuhan, dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei. Dans ce marché, nous pouvons trouver des animaux comme des chauves-souris, des serpents, des reptiles, et puis comme je vous l'ai dit, des animaux un peu qui sortent du commun. Donc, les premières infections sont faites d'animaux à hommes. Donc, de décembre 2019 jusqu'à la fin de l'année dernière, cette maladie a été minimisée. Pourquoi? Les raisons sont les suivantes. D'abord, l'infection a été faite d'animal à humain. Du coup, l'infection humain à humain n'était pas encore envisagée. De surcroît, cette maladie causée par un virus du type pneumonie avait été un peu sous-estimée. Donc, et voilà, à partir de janvier 2020, la polémique a commencé à être de plus en plus grande parce que les médecins chinois ont été alertés du fait que certains médecins, certains premiers médecins qui avaient traité les premiers infectés en décembre, se sont vus eux aussi infectés à leur tour. Nous avons compté environ 15 médecins qui ont été infectés par ce virus de type corona, qui est un nouveau virus qui n'a jamais été découvert dans la médecine jusqu'à ces jours. Aujourd'hui, actuellement en Chine, la population est mise en alerte. Des mesures préventives ont été mises à la disposition de tous les habitants, que ce soit chinois ou étrangers, qui vivent aujourd'hui en Chine. Les étrangers sont encore plus alertés et d'autres commencent à penser au rapatriement, c'est-à-dire de retourner dans leur pays en vue d'éviter ce virus qui sévit actuellement ici en Chine. Donc nous pouvons constater aujourd'hui, les villes sont désertes, les moyens de déplacement, les métros, les bus sont vraiment désertes parce que tout le monde a peur quand même de cette infection. Nous rappelons que le nouvel an chinois s'est déroulé il y a quelques jours et même cette fête a été carrément, on dirait, un flop à cause de ce virus. Aujourd'hui, actuellement, en Chine, comme à l'extérieur, nous avons enregistré des cas de maladies de ce type corona. Nous recensons actuellement en Chine continentale plus de 1500 cas d'infection, plus de 400 suspectés et 41 morts actuellement aujourd'hui en Chine, dont 39 dans la province de Hubei, dans la ville de Wuhan plus précisément. Donc peu importe où tu te trouves actuellement, ce phénomène est réel. C'est vrai, il y a un peu de surmédiation puisque tout le monde aujourd'hui en parle et même des articles qui sont un peu anciens sont en train de faire surface. Donc je ne pourrais qu'inviter tout le monde à la vigilance, tous les compatriotes qui vivent actuellement en Chine, de se prévenir, de respecter les modes de prévention. Et puis ensuite, voilà, restez chez vous. Si vous n'avez pas de voyage important à faire, juste restez chez vous. Évitez tout contact avec des animaux ou même avec des humains. Donc vous avez remarqué que le port du masque est aujourd'hui très très important parce que le moyen de contagion le plus rude est la contagion par la toux. Donc de air dans la contamination, dans l'air, et même pas le toucher. La contamination cutanée aussi est possible. Donc nous ne pouvons actuellement qu'alerter nos compatriotes ici en Chine et même à l'étranger, puisque en Australie, au Japon, même en Corée, certains cas ont été déjà suspectés, même si la confirmation reste à désirer. Donc nous allons de ce pas passer quelques vues de la ville. Et même des rues en Chine, vous allez voir comment est-ce que la rue est déserte ici. Allez, restez en notre compagnie. Ciao. <t'en>
们抬头望天空，星星还亮着几颗，我们唱着时间的歌，才懂得相互拥抱到底是为了什么。因为我更好遇见你，留下足迹。